tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing en collaboration avec la boutique New Craft Day. Alerte Black Friday. En ce moment c'est ça, c'est on joue les Black Friday et New Craft Day met en place les Black Friday du 11 novembre au 30 novembre 2023. Il y a plein de promos, alors je vous en cite quelques-unes. 2$ de rabais pour 29$ d'achat, 7$ de rabais pour 69$, 10$ de rabais pour 99$, 16$ de rabais pour 149$. Là, il faut vraiment faire un gros panier ou acheter à plusieurs. Et il y a aussi une promo, un code de réduction. De toute façon, je vous mets tout en barre de description. Le code de réduction, par exemple, c'est 1,12% et vous profitez de 12% de réduction immédiatement sur votre commande. Là, il y a aussi, je sais pas, il y a aussi quoi comme code. Ouais, il y a plein de codes. Vraiment, je vous les mets tous en barre de description. Donc, pareil, la vidéo, je vais vous la sortir très vite pour pouvoir en profiter. Et si jamais vous voulez pas de toutes ces réductions et que vous voulez juste 10%, j'ai toujours un code promo qui est ZAZ10. Pareil, je vous le mets en barre de description. Voilà. J'ai fait le tour sur les Black Friday, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dans ce petit paquet. Alors, comme vous pouvez voir, il y a déjà deux produits, si vous me suivez, deux produits que j'ai déjà présentés et que j'aime beaucoup et que j'ai repris, voilà. Donc on va les découvrir tout de suite ensemble, comme ça ce sera fait. Il y a la fameuse lampe autour du cou, qu'on met autour du cou. Alors j'en ai repris une parce que elle est très pratique, vraiment. J'aime beaucoup cette lampe. Elle est plutôt légère. Ça illumine plutôt bien. Donc vous avez trois types de lumière. Donc vous appuyez une fois, vous allez avoir une seule LED qui va s'allumer. Une deuxième fois, ça va être l'autre LED qui va s'allumer. Et une troisième fois, ça va être les deux qui vont s'allumer en même temps. Voilà. Ensuite, pareil des deux côtés. Hein. Alors, si vous voulez plus de lumière, eh ben vous faites les deux côtés. Et vous mettez ça autour de votre cou. Et c'est des piles, des petites piles 3A. Et vous en mettez deux dedans. Et nickel, ça fonctionne super bien. Ça fait le job. Et donc, cette lampe, elle est à 3,70$ sur le site de New Craft Day. Vraiment, moi, je la trouve très pratique. Ça évite d'allumer la grosse lumière pour ne pas déranger monsieur qui regarde la télé à côté. Non, vraiment. Alors, ce que je fais quand je suis dans le fauteuil, souvent, je mets plus cette partie-là derrière mon cou parce que ça fait quand même gros. Voilà, pour être honnête avec vous, ça fait gros et comme j'ai les cervicales quand même plutôt fragiles. Donc, je mets ça autour de mon cou comme ça. Comme ça, vous avez toujours la petite lampe. Bon, je vous montre un petit peu. Et là, hop, je dirige comme ça. Vous voyez, ça fait... Vous voyez un petit peu comment je le mets quand je suis dans le fauteuil. Comme ça, ça, franchement, vous le sentez pas. Et je les trouve, franchement, c'est plutôt léger. C'est très pratique. Mais ouais, moi, je vous dis ma petite astuce. Ça, vraiment, derrière les cervicales, ça fait gros quand même. Donc, enfin, vous le sentez. Donc, voilà comment je fais. Voilà pour cette petite lampe. Ensuite, ben, ce paquet-là, vous le connaissez. Je ne le présente pas. Mais je vais vous le présenter quand même. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce que c'est? Oh, tiens donc, une boîte avec plein de bobinettes à l'intérieur. Et la boîte, je vérifie, elle est nickel, elle est pas fissurée, elle est pas cassée. Franchement, elle est arrivée en très bon état, rien à dire. Donc cette petite boîte que je ne présente plus, elle a ses deux petites encoches, hop là, et dedans on a à chaque fois deux bobinettes par case, et ce sont des cases que vous pouvez ajuster à votre guise par ces séparateurs, mais ce sont des séparateurs qui se
sépare. Voilà, vous tournez et bim, vous les avez à l'unité comme ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce rangement. De toute façon, bah, à force de vous présenter, vous devez vous en douter. Je m'en sers beaucoup quand je fais une toile. Ouh, j'ai dit des bêtises. Elle est arrivée fissurée quand même. Ah ouais, j'ai dit des bêtises. Ah, zut, elle est arrivée cassée. C'est la première fois que je la reçois cassée comme ça, regardez. Elle est cassée. Bon, après, ça, franchement, ça n'empêche en rien à l'utilisation. Elle est juste... Bon, après, moi, je l'ai en partenariat, donc ça va pas me déranger. Mais quand vous l'achetez et qu'elle arrive... Voilà, je vous montre. Elle arrive cassée comme ça, là, jusque-là. Il faut faire un mail à New Craft Day ou à n'importe quelle boutique. En général, ils réagissent bien et vite et ils vous renvoient le produit. Voilà. Donc, cette boîte sur New Craft Day, elle est au prix de 12,65 $. Mais vraiment, hein, moi, ça va pas me déranger, vraiment, forcément. Hein, voilà, vous allez dire, elle est pas gênée, elle est en partenariat, elle va pas râler. Non, je râle pas. C'est juste que, malgré l'emballage, comme ça, ben voilà. Il suffit d'un transport assez mouvementé pour que, ben, malheureusement, voilà, bim. Mais si ça vous arrive, faites un mail. Franchement, ils sont très réactifs, très conciliants et ils embêtent pas le monde, ils vous renvoient le produit. Voilà pour ce petit produit. Moi, je vais leur faire une photo juste pour leur dire. Bah voilà, je l'ai reçu un petit peu fissuré. Dommage, je sais pas. Après, je vois pas ce qu'ils peuvent mettre d'autre. Peut-être renforcer, je sais pas, le papier à bulle. Je sais pas du tout. C'est la première fois que ça m'arrive qu'elle soit fissurée. J'en avais déjà reçu une où c'était l'encoche ici qui avait cassé. C'est pareil, ça ne m'empêche pas de m'en servir. Vraiment pas du tout. Donc voilà, allez. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même un DP. Quand même, hein. Donc on va le découvrir ensemble. C'est un DP en diamant spéciaux. J'aime beaucoup cette collection. Je la trouve toute douce. Et donc là, c'est une toute petite 30 par 30. Et regardez, j'ai pris cette citrouille. Elle est juste trop belle. J'adore les couleurs. Vraiment très, très doux, très pastel. Et j'ai flashé dessus. Il y a toute une collection comme ça de... De DP en diamant partiel, donc il y a vraiment pas grand chose à faire, hein. Vraiment, quand vous regardez, là il y a que 9 références, voilà, les références, et regardez, il y a juste le contour ici de la citrouille, voilà les fleurs, le plus gros travail ça va être dans les fleurs quoi, mais regardez c'est trop joli, je suis pas forcément toile en diamant, comme ça, toile partielle en diamant spéciaux, mais... Puis elle est toute petite, quoi. C'est une 30 par 30, bord inclus, hein, bien sûr. Et donc, on a quoi? Je vais juste regarder. Oh, j'ai vu des beaux diamants. On va regarder ça ensemble. Comme il n'y en a pas beaucoup, on va les checker quand même. On va les regarder. Donc, on a le petit toolkit hein, basique, comme d'hab. Et donc. Ah, j'adore. Ils sont trop beaux, ceux-là. Regardez. Ah, en vert. On va peut-être les voir ici. C'est des gouttes holographiques, regardez. Hop, oh, comment ils sont trop beaux. J'adore la couleur. Ensuite, on en a des comme ça. Pareil, holographique, des yeux de chat. Comme ça, hop. Et après, on va partir sur du strass. Un peu plus gros quand même, ceux-là. C'est des gros strass. Et ceux-là, ils sont plus petits. Voilà, mauve. Vert, encore du vert. Du orange quand même. Hop. Orange plus foncé, rouge même. Et ici du rose, un vieux rose. Mais non, on les voit pas bien. Voilà. Bon, bien sûr, la luminosité est pas top, top, top aujourd'hui. Donc... Mais ceux-là, ils sont juste trop beaux, quoi. Regardez. Vraiment très joli, ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc cette petite toile, elle est au prix de 4,37 $. Et vous avez vraiment... pas mal d'illustrations comme ça. Ils en font de plus en plus, je trouve, des illustrations en diamant comme ça, spéciaux, mais des partiels. Donc, c'est sympa. Elles sont toutes jolies. Toutes jolies, toutes douces. On a même l'illustration là, tout en haut. Moi, je sais pas si on va bien voir. Ça donne ça. Même en DP normal, hein, j'ai envie de dire. Ça aurait pu être joli. Mais là, comme ça va être sympa. Un petit projet rapide à faire.
plutôt automnale hein, quand même, des citrouilles. Mais vraiment automnale, mais c'est pas vraiment des couleurs automnales. Enfin, vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Donc j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans les commentaires. Et d'ici là, prenez soin de vous. Plein de gros bisous. À bientôt. Salut tout le monde.